Et salut à tous, c'est Itogofed, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, vidéo RTA. J'ai fait quelques petites games assez intéressantes, je voulais vraiment vous les partager, donc j'espère que cette petite vidéo te plaira. Si c'est le cas, bien n'hésite pas à t'abonner au petit pouce bleu. Et nous, directement parti pour les petits replays. Donc globalement, on est plutôt bien monté. Donc première game, alors forcément on tombe contre le numéro 1. On tombe contre le numéro 1 directement dans la sauce. Et on first pick Chandra. Sauf que évidemment il a Bergil. Bergil, j'avoue que je n'ai pas encore trop Terrorcraft comment counter ce mob là. Donc j'ai un petit peu du mal. Et je fais une transi un petit peu mode T2 et lui juste il va me cliff CC. Et en fait je peux rien faire. Là j'essaie de lock sac un peu avec Eleanor, mais honnêtement j'ai juste perdu à la draft. Ce qui est fort avec Bergil, c'est que il peut pas me chercher un mob à l'open, voilà comme ceci. Et en fait, juste, je me fais cliff CC. Si je cherche à compter ce premier tour, il me cut, donc je peux pas compter ce premier tour contre lui. J'avoue que j'ai pas encore trop regardé sur mon compte ce que je pourrais jouer comme arme pour contrer Bergil. Je trouve que c'est un mob assez fort. Hein. C'est vraiment au moins dans le top 5, plutôt 7 des meilleurs LD du jeu actuellement. Et voilà, donc certes, son kit n'est pas fiable, mais en fait, le truc, c'est qu'il joue tellement que même en Bruiser ou en Contest au Speed, c'est vraiment trop fort. Hein. En Bruiser, c'est vraiment super fort. Et puis. En tant que mob bruiser pour cette mob de breakdev, pour d'autres bruisers, plus compter sa speed, c'est vraiment trop fort aussi. Ce mob est vraiment, vraiment fortiche. Moi, j'aimerais beaucoup l'avoir. Et on a perdu. Du coup, deuxième draft, on tombe contre Josu. Et du coup, on first pick le Shir parce qu'on sait qu'il joue de la cleave. Et il part sur Moore, Okeanos. Je pars sur Oliver et Gang. Donc classique, ça, c'est un draft que vous pouvez reproduire. Et il a dropé le Hacker Light. Et là, en fait, je voulais pas prendre Verde et Eleanor. Je voulais prendre Lucia à la base et autre chose. Mais comme j'ai pas trouvé ma Lucia, j'ai paniqué. J'ai pris Verde. Et regardez mon Verde. J'ai pris un Verde en Vio à plus 20 de speed, donc mon Verde anti-Léo, au lieu de prendre au moins au minimum le Verde en triple revenge. Et du coup, là en fait, en soi, je peux pas vraiment gagner. Je peux pas vraiment gagner. Il a le petit proc ici. Heureusement, il strip pas ma Eleanor, c'est le plus important parce qu'en plus, j'ai gardé mon strip, mon cleanse, pardon, sur le mob. Le Verde va quand même pouvoir me faire cycler un petit peu, mais il ne proc pas violent parce qu'il est en Vio du coup. Mais vous allez voir que c'est pas grave parce que vous avez le Verde qui va faire le taf à la place. Voilà. À chaque fois qu'il strip, il me booste ATB, du coup c'est plutôt pas mal, les gangs Verde c'est un petit peu fort quand même, parce que les boosts ATB de 20%, l'air de rien, vu que j'ai pas d'ATB avec mon Verde puisqu'il est trop lent, ça m'aide bien. Et voilà, on a le petit proc avec Eleanor, du coup on peut à nouveau recleanse, mettre l'immunité, on se sustain également, on veut juste aller tuer Leokanos qui est la source de dégâts avec le Moor, mais on a plus facile d'aller taper Leokanos en début de partie. On va se transformer, et on va tenter de mettre un stun sur Leokanos, on rate, mais on repoque violent, donc là Eleanor qui a fait la game toute seule comme une grande. Allez, ensuite, petite game suivante. First pick Chandra, de mon côté, ça passe de la Vanessa Sagar et Shir Macha. Donc, je pars sur le principe que je veux prendre le premier tour. Et là, bon, forcément, il m'a dit que non. Donc, je me couche. Je me couche avec un Smicer et Gang. Et du coup, je banne Veromos last pick parce que je sais qu'il va me laisser le Smicer. En fait, c'est juste pour ça. Donc, il rate son strip. Oh, mais je pense qu'il va tout rater, en fait. Je me rappelle. Il rate sur Smicer aussi. Ok, bon, il a tout raté. Ok, bon, j'avoue, le replay n'est pas super intéressant. Après, attention, je pense que s'il avait réussi son reset sur Smicer, il aurait réduit ATB Chandra. J'aurais eu skill 2 Shir, skill 2 et Gang. Le Smicer aurait pas eu le taunt, mais il aurait été reset. J'aurais quand même pu mettre le silence. Et je crois qu'avec double mob qui stun Desper et le Shir qui fait cycler, je pense que celle-là, j'ai gagné sa compo. En fait, manquait un petit peu de dégâts, il y avait beaucoup de contrôle. Mais en fait, Smicer ici dans ce setup-là est vraiment trop fort parce que un petit silence à gauche à droite, en fait, tu casses trop facilement son cycling et tu gagnes. Allez, du coup, petit draft suivant. Donc lui, on sait que c'est un joueur de Elenoa, Diana et tout ça, Sandres en mode full Loxac. Du coup, je lui vole un peu et Abelio. Du coup, je lui vole soit Abelio, t'as vu. Et contre son gameplay, Abelio est vraiment fort. Il banne Elenoa, je banne le last pick parce que je sais qu'il va laisser à Diana. Il joue premier, il rate son stun à l'open, magnifique, mais il met full dégâts. On va juste mettre une bombe et mettre le stun sur la Jiu pour pas qu'elle puisse skill 2 Loxac. On va faire le skill 3 évidemment, pour mettre des bons petits dégâts. On a le petit proc ici, il est cool. Résistance sur le slip, c'est pas de chance. On va faire le skill 3 pour slip, on réussit qu'un seul slip, c'est pas de chance. Après, il y a l'hydraise en face, et j'imagine que tout est capé en raise. Puisqu'en fait, comme je vous ai dit, il joue Elenoa ou Jiu, du coup, il joue l'hydraise à chaque fois. En fait, sa stratégie, c'est ça. Il joue tout à 100 de raise, enfin à 40. 50 de raise, et avec le lead, il a 100 de raise. Il fait que ça, et il oxac comme ça. Donc là, on se cleanse. Je me rappelle, je voulais pas le faire. Ça a joué tout seul, je crois. À ce moment-là, je réfléchissais trop. Mais c'est pas grave. On veut juste tuer le Miles, qui est la source de dégâts. Et en fait, dès que lui, il est mort, le Miles, voilà. En fait, il fait quoi? Il fait plus rien, en fait. Il peut plus gagner. L'idée de jouer Janna et Pras, c'est que ça permet de mettre des bombes, ça cycle bien sur le skill 1. Et du coup, pour le jeu, c'est embêtant parce qu'elle récupère pas ses CD si facilement que ça, puisqu'elle gagne de la TB quand je joue à spell, en fait. Et je sais qu'il joue avec de la res, du coup forcément il perd un peu de stats sur ses maps, donc forcément le multi-hit
bah, il tabasse. Alors, regarde son Rakuni par exemple, il prend beaucoup de dégâts. On a un petit proc intéressant ici, mais on va pas se mytho à ce stade-là. Il peut plus vraiment gagner en fait. Genre là, il peut plus gagner. On avait vraiment une draft meilleure avec beaucoup de sustain contre lui. Et là, on tombe contre Jin Yao. Et là, c'est le début des problèmes pour Jin Yao. Parce que Jin Yao, on va le croiser plusieurs fois. Vous allez voir, ça va pas spécialement bien se passer pour lui. Il fait une draft avec Vela Jewel Oliver. Et moi, je pars sur de la Gianna Ragdoll directement. Parce que bah, Pra appelle Ragdoll, moi, à mon sens. Ban Julian qui est un petit peu trop fort. Et il ban Nikki. Du coup, est-ce que j'aurais dû ban le Julian ici ou ban plutôt le Gapsu? Peut-être que le Gapsu ban était meilleur ici. Mais bon. On va juste faire le skill 3. Je peux mettre la bombe sur Gapsu. Je préfère la mettre au T2 sur un mob que potentiellement il peut me gêner, quoi. Genre Pra au hasard. Ou Oliver. On va tuer directement le Vela Jewel qui est l'immunité. On va mettre la bombe. On va rater la bombe sur Oliver. Et on va aller mettre les dégâts sur la Pra. Parce que la Pra, c'est elle qui va faire le skill 3 et me slip. Et c'est elle qui peut me faire perdre en fait. Et bah, là, c'est dommage parce que bah, j'aurais voulu que la bombe passe sur le Oliver. Et ici, du coup, je mets le skill 3 avec Eshir directement sur le Oliver pour le forcer à heal avec la Pra. C'est tout simplement. Hop. Bon, il est hors d'espère, du coup, on le voit. Hop, il va mettre des petits stuns, tout ça, à gauche, à droite. Nous, on va mettre le break def ici sur l'Oliver. Et voilà. Donc, en fait, là, en fait, en soi, on peut la perdre s'il proc beaucoup. Mais on a encore le skill de Vanessa, forcément, le passif. Du coup, on n'est pas trop mal. Parce que l'Oliver ne va pas dessus. Et l'Oliver n'a pas de spell parce qu'il a raté son spell. Et on tue bah, directement ici l'Oliver. Et une fois qu'il est mort, bah, normalement, on perd plus. Même si là, il a un excellent proc violent. Ce proc violent, à ce stade-là, honnêtement, il peut encore la gagner. J'ai plus de passif sur Vanessa, il peut tuer la Janna. Potentiellement, je manque de dégâts. Et c'est problématique, hein, parce que le Ragdoll n'est pas tellement rapide. Lui, il est très rapide sur ses mobs. Et du coup, bah, si je mets le break death avec Vanessa, il peut facilement le cleanse avec, avec le Gapsu. Mais bon. Finalement, on a une Janna qui tank pixel HP parce qu'elle est runée en triple HP. On va mettre plein de dégâts sur la... sur la Pra, et on arrive à avoir un petit proc pour la tuer, et du coup, ce stade-là, il peut plus vraiment la gagner. C'est cool. Là, on va juste attendre de récupérer deux spells, et c'est gagné. Alors, petite race suivante, on tombe contre la même PP que le premier match, mais ce n'est pas le numéro 1, il joue autre chose, ça joue de Ragdoll, et quand il force pick Gapsu, je m'en doute. Donc forcément, je fais une draft pour gérer tout simplement ce Ragdoll, en me disant, bah, je peux le laisser, y'a pas de souci. Moi, ça ne me dérange pas de jouer contre un Ragdoll, je laisse. Et j'ai pris une petite Caruel et Lanoa à droite. Et on va voir si on a suffisamment de dégâts pour faire quelque chose. Donc ici, on fait évidemment pas le skill 3 parce que j'ai pas envie que le Smicer joue et me loxac éventuellement sur mon Caruel. On va faire son spell. Alors par contre, là, je fais un petit misplay, c'est que j'ai pas fait le skill 3 avec Caruel. Et du coup, j'ai pas mis le buff attaque sur moi-même. On va dire que j'étais confiant sur mes dégâts. Et du coup, en mettant du 4K par hit avec ma Caruel, j'ai réussi à tuer. Et du coup, j'ai tapé 5 fois le Julian, heureusement. Parce que là, bah, voilà, j'avais mis mettre le buff attaque et du coup, j'avais perdu pas mal de dégâts. Et j'aurais pu potentiellement ne pas tuer Julian et là, j'aurais perdu directement. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Et du coup, eh bien, une fois que Julian est mort, bah, il n'y a plus trop de dégâts en face en soi. Là, le problème, oui, c'est en effet le Smicer, mais j'ai quand même encore pas mal de mobs à côté. Et du coup, bah, dès que le Smicer est mort, j'ai Kingi qui solo cette partie. Donc là, évidemment, on met tout sur ce Smicer qui est le problème. Hop, on va faire le skill 3, juste pour tuer, c'est plus de value que le skill 2, mon petit proc. Donc là, ça sert à rien, en soi, à ce stade-là, en fait, on peut plus trop perdre. À ce stade-là, en fait, Sagar, Kinky termine la game à E2. Donc là, tu vois qu'on a encore un petit proc, bon, il a reproc, on reproc tout le temps, mais voilà. J'avais pas besoin de proc pour gagner cette game, on avait juste une bonne draft ici. Et nous, retombons contre Jin Yao. Jin Yao qui first pick Oliver face à moi, moi je reprends Vanessa, parce que Vanessa, c'est un bon counter à Julian, je trouve. Et ça fait first pick acceptable. Il part sur Eleanor, Nikki, il part évidemment sur son Julian. Moi, je banne l'Azima qui est un petit peu menaçante. Il banne mon last pick, je le savais. Ma last pick draftée ici. Et on joue premier. Du coup, on va directement bah, rater son skill 2 malheureusement sur la Vanessa. Parce que bah, c'est con, parce que j'aurais voulu reset directement la Vanessa. Par contre, en vrai, j'ai misplay. Parce qu'en soi, ce que j'aurais dû faire là, c'est faire skill 2 avec Vanessa sur Oliver. Pour ensuite aller reset la Vela Jewel. Donc en soi, j'avais misplay quand même, mais bon, c'est pas grave. On va dire que je voulais assurer le strip sur Vela Jewel en me disant si je strip le Vela Jewel, j'ai gagné. Et au final, je les reset quand même, donc pas de soucis. On va mettre un maximum de dégâts sur ce Vela Jewel, on n'arrive pas à le stun. On va pas tenter de le taunt. On a des petits procs, bon, ils sont pas très intéressants, on va pas se mytho. Voilà, il en espère que ce soit Oliver, on le sait. On va mettre le break dev directement, voilà, et là on veut tuer. Hop là, tranquillement, c'est le Vela Jewel. Et une fois qu'il est mort, bah, on est fine. Bon, on a encore un proc. Pas se mytho, ça sert à rien. Ces procs-là servent à rien, j'avais pas d'autres procs pour gagner cette game. En fait, la draft était un petit peu vide en face, on tuait juste Vela Jewel
Et après, derrière, il n'y a plus assez de sustain pour me passer. On a encore le passif de Vanessa. Donc même si le GN tape un peu, on est fine. On a l'anti-crit, donc potentiellement, il peut rater ses crits. On va les reset tranquillement, voilà. Bon, il y a une résistance, un petit proc, certes, et il crit. Mais voilà, c'est pas grave. On a voilà, une vie supplémentaire grâce à Vanessa. Et on a taunt tout le monde, donc pas de soucis. On va skill 3 maintenant. Avec Nikki, on a récupéré les spells et terminé cette partie. Voilà. Alors du coup, petite draft suivante, first pick Vanessa à nouveau, forcément, il part sur maintenant Moore Smicer, donc il tente des petits trucs, hein. Moi je pars sur Eshir Sagar, il part sur Amduat, donc il veut me Loxac, je prends Jeanne Arène, et il prend son Julien dans la speak, donc moi je banne juste le Moore, et il a pas de speed, et je me dis, bah, on est fine, on a de speed, on CC tout le monde et c'est gagné. Donc on joue premier, hop, on va juste faire le skill 3, on stun tout le monde, excellent. Je mets le skill 2 sur le Smicer parce que c'est lui que je veux tuer, on va aller reset la Masha parce que bah, c'est elle que je suis potentiellement en mesure de réduire ATB, on va tuer Smicer, et là je me dis on est fine. Sauf qu'en soi, en vrai, son truc là, son Amduat, il met un slow AOE, deux tours, et en vrai son slow, le slow c'est le meilleur CC du jeu, parce que bah tu joues pas en fait. Et lui il est quand même, bon il y a pas de speed, mais il est quand même rapide, du coup il reprend quand même vite ses tours, plus vite que moi, donc en fait, en soi le Amduat, il avait du sens. Heureusement que je récupère mon spell avec le Shear, forcément, les CD sont assez courts. Il va mettre des bons dégâts, j'ai Sandres, du coup il va rater son spell sur la Vanessa, son break death. Il va essayer de stun, il va réussir, il va tuer Vanessa, il a son skill à nouveau. Et il ne met pas de stun d'esper, j'ai l'impression, donc ça me met plutôt bien. On va tuer le mob Loxac, on a un petit proc, on va pouvoir reset directement enfin, la Masha plus la Dismund. On va aller mettre des dégâts dessus, voilà. On a un maximum de dégâts à gauche, à droite. Là on sait qu'on peut tuer Julian à ce stade là. On va juste tout lui mettre dessus, voilà. On peut skill 2 ici, tranquillement. De toute façon, il n'a pas les dégâts pour me passer. Et voilà, donc on a gagné ici. Hop là. Je pense qu'il a Bergil. Du coup, je me dis, je vais tenter un truc, je vais jouer Gapsu. Et il prend Elena. Et je me dis, ok, vas-y, je prends Eleanor, je fais Pra, Cassandra Feu et Nikki. Et là, je fais une erreur, en fait. En gros, dans ma tête, je me disais, non, mais il ne va pas laisser Eleanor, en fait. Je pensais vraiment qu'il allait banner Eleanor parce qu'il avait pris Elena. Et en fait, pas du tout. Le gars, il en avait rien à cirer. Il en a eu rien à secouer. Et du coup, bah, moi, j'ai fait le mauvais ban. En fait, j'aurais voulu ban le Dominique à la base et pas Elena. Mais moi, je partais sur le principe qu'il allait vraiment, vraiment, vraiment ban la Elena. Parce qu'il n'y a aucun monde où il peut laisser une Elena quand il a. Enfin, Eleanor, pardon, quand il a Elena. Parce qu'il y a l'anti-crit et il y a le glancing. Du coup, et en plus j'ai une immunité perma tous les tours, je vois pas comment s'il pouvait laisser la Eleanor et il l'a fait. Et bah vous allez voir, bah je vais juste la perdre comme ça. Je vais la perdre comme ça parce que bah son Dominique là, en soi j'ai pas les dégâts pour le tuer. Je sais pas comment elle l'a runé, mais il est oméga bien runé. Il est en Nemesis, il est super tanky, il est pas très rapide. Mais il a beaucoup de stats très tanky, il fait très mal. Il doit être à du 125 d'efficience plus. Et du coup j'arrive pas à le tuer, j'essaie de le mettre sous le seuil pour pas qu'il me fasse trop mal. Mais tu vois qu'il arrache trop, hein. Regarde. Et là ouais je la perds parce que bah... Je n'ai pas encore perdu, mais je vous soigne un petit peu, je suis désolé, mais voilà. Je vais la perdre celle-là, parce qu'il a fait un ban très hasardeux. Il n'y avait aucun monde où il fallait laisser Eleanor, hein, honnêtement. C'était très 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 bizarre de sa part, très très cheesy. En vrai, je pense que dans sa tête, honnêtement, il disait « Ok, j'ai perdu coûte que coûte, ma draft est trop nulle. » Ce qui est vrai, sa draft est nulle. Du coup, je tente le cheese pour le tout, tu vois. Et je laisse la Eleanor en me disant, il va peut-être banner Elena. Et moi, je suis tombé dans le panneau. Et je la perds comme ça. Parce que là, bah voilà, regarde, hop. Un petit proc. Et voilà. Et à ce stade-là, j'ai plus les dégâts pour passer. C'est fini. Tito Pipo. Je mets un petit x3. À ce stade-là, j'ai plus les dégâts pour passer son Dominique. Son Dominique, en fait, plus le temps passe, plus il fait trop mal. Donc en soi, je peux pas gagner le late game contre lui. Petite draft suivante. First pick Chandra de mon côté. Ça part sur Egang Verdil. Donc vraiment une draft qu'on adore. On prend Gapsu Nikki. Il prend Moore et machin, et moi je prends Belial. Belial force ban évidemment, je banne la spec. On a Eleanor également qui est sur place. Eleanor qui est forte ici. On a pas mal de dégâts avec Gapsu plus Nikki. On va faire le skill 3 directement, on met des bons petits dégâts. Il n'y a pas le revenge de Verdale, ça nous met bien. Il va faire le skill 2, mettre des bons dégâts sur ma Nikki, mais on va pouvoir simplement protéger. Faire un petit skill 3, on met le stun d'Esper sur Verdale, c'est super lucky. Et nous là, on décide de pas cleanse, juste pas d'immunité. Voilà, et on va mettre un maximum de dégâts sur le Verdale. Malheureusement, on met pas la brand, on rate la brand. Parce que bah, du coup, on va devoir taper plusieurs fois avec nos mobs pour pouvoir le tuer. On a un petit proc, donc là, on va taper Irrevenge pas à nouveau, donc ça c'est cool. Et du coup, nouveau tue. Voilà, boum. À ce stade-là, bah, il ne peut plus gagner. Normalement. Normalement, je dis bien.
Hop, on va taper le Egang parce qu'il me donne pas mal, il donne pas mal d'ATB et je me dis qu'il est assez squishy. Il tue Maniki, ok, je me retransforme. Je vais juste mettre des dégâts sur le Egang. J'ai un petit proc, je me remets en posture pour gagner très vite de l'ATB. On va juste mettre tout en fait sur le Egang. En vrai, là, je veux juste le tuer parce qu'en fait, si je me cleanse, bah, je donne de l'ATB et j'ai pas envie. Voilà. Et je me dis que en fait, j'ai Sandraise sur mon Gapsu. J'ai Mylianor qui a. Il y a pas mal de raids aussi, Chandra ça me haut, je me dis là la machin elle fait plus rien. Donc voilà. On va tout mettre évidemment sur le Mour parce qu'il a pas son passif. Le Mour qui est, comme vous pouvez le constater, très tanky. Hein. Il est extrêmement tanky. Il fait pas trop de dégâts, il est vraiment full tank. Et on va le tuer directement et à ce stade là on peut plus trop la perdre. Voilà voilà. Petite draft suivante. On est sur un first pick Adriana en face, donc moi je pars sur Vanessa et Shir en me disant il va partir sur Sonia. Pas du tout, il avait Julian, c'est mieux encore. Nikki Gekinki en réponse, et là il fait une belle transi, hein. La transi est bien. Adriana, il banne Vanessa, je banne la Cassandra Dark, et je me dis bah là on tank tranquillement. Hein. On a le premier tour, hop, on outspeed, il cut, mais c'est pas grave, il va sur Triana, je pense que c'est une erreur. Hein. En fait là l'idée c'est que s'il proc avec Gapsu, il peut tenter un stun sur par exemple Nikki, s'il strip le wheel, je pense que c'est plus intéressant. On est speedtuné, du coup on fait skill 3, on met des bons dégâts, c'est tout squishy en face, hein. C'est des trucs qui ont 20 000 HP à tout casser, même pas. Et là bah, il doit aller tuer Matriana, il y arrive, il passe au travers Matriana anti buff attaque Sonia. Parce que il avait le bleed 44 attaque de Sonia. Mais en fait c'est pas grave, il a tout mis dans la tête de Matriana et bah regarde ce qu'il reste à gérer. Un Kinky, il peut pas le gérer en fait, il peut juste pas gérer Kinky, donc c'est gagné. Et enfin, on est retombé contre Jinyao encore une fois. Et là, bah, il se fait 3-0. Et là, merde, je sais pas comment faire. Je panique. Il prend un first pick Ariana. Bon, pendant la game, j'ai évidemment flex mes LD comme Lydia Kaliz aussi. Évidemment. Et je banne Alexandra et je me dis, sa draft est vide comme l'air. Il n'y a pas de dégâts en fait dans sa compo. Et je me trompe, hein, c'est Jinyao. Il y a des grosses runes et son Mour fait trop mal. Et moi, bah, j'ai quand même pas mal de dégâts aussi. Malheureusement, là, on rate le strip sur l'Ariana. Parce que j'aurais voulu la reset hein, ici. Évidemment. On rate la bombe ici, c'est assez lucky aussi. On met le stun, on y arrive. On va faire le skill 3 ici au lieu du cleanse parce que bah, le poke, c'est quand même plus intéressant. Un poke, on met mid-life tout le monde. Et du coup, à ce stade-là, on est plutôt pas mal. Je me dis, on est pas mal. Je me dis, on est pas mal. Le Mour récupère son passif, je pense que je vais misplay. Voilà, ça, c'est un misplay. Ça, c'est un misplay parce que, bah, en fait, regardez ce qui se passe. Voilà, et là, il a récupéré à nouveau son spell. Du coup, il a à nouveau son skill 2. Donc là, je fais un huge misplay en allant taper le Mour et je prends beaucoup, beaucoup de dégâts. Petit stun, je pense que la Sekhmet est en despair. Non, c'est le Mour qui est en despair. C'est le Mour qui est en despair. Je sais pas si la Sekhmet est en despair. Je pense que ça va être en Swift. Mais on est outspeed, hein, du coup, je sais pas trop en fait. Bref, en résistant sur le reset, ça nous met bien. Du coup, il est obligé de mettre tous les dégâts dessus. Et on regarde et on voit que le Shiu est super offensif vu les dégâts qu'il met. Donc on va taper directement le Shiu. Hop. On va faire le skill 3. On connaît nos spells, on connaît nos CD. Voilà. On sait que là, on a le Mour qui meurt. Et à ce stade-là, on peut plus trop la perdre. Là, la draft est un petit peu vide, mais vu que c'est les runes de Jinyao, vous imaginez bien qu'il pouvait quand même la gagner. Donc on va tout mettre sur l'Ariana. L'Ariana qui, je pense, est en triple revenge. Vu le nombre de fois qu'elle revenge, voilà, elle revenge en boucle. Mais là, en fait, il reste, mais je pense pas qu'il puisse la gagner. Il était peut-être en train de réfléchir pour la prochaine. On rate la bombe, pas de chance, mais bon, ouais, c'est pas grave. Là, on tue juste avec les mobs avec des skill 1. Voilà. Et du coup, voilà. Donc, c'est une petite session de RTA vraiment super, super cool. En vrai, je me suis bien régalé. On a bien monté. C'est cool. On a fait que 2 lose pour une dizaine de wins. Et c'est un petit peu près tout pour moi. Donc, j'espère en tout cas que cette petite vidéo t'aura plu. Là, sur le coup, on a fait des drafts un petit peu plus rodés que d'habitude, j'ai envie de dire. Pas trop, trop lolo. N'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu. Et je te pote, c'était Tito.